Hey yo les petits potes, c'est vous et j'espère que vous avez la pêche. Tout d'abord, désolé pour ma voix car je suis actuellement malade, mais j'avais quand même à cœur de faire cette vidéo pour couvrir l'actualité puisque pas plus tard qu'hier soir, il y a eu le Warcraft Direct 30e anniversaire où Blizzard nous a donné pléthore de nouvelles informations qu'on va couvrir dans plusieurs vidéos. La vidéo d'aujourd'hui, on va faire un petit tour quand même assez rapide de tout ce qui a été annoncé. Mais on va surtout se concentrer sur les informations retail. Et la prochaine vidéo, on se concentrera pour tout ce qui est classique, puisqu'il y a eu pas mal d'informations de ce côté-là aussi. Allez, c'est parti, couvrons tout ça. Donc tout d'abord, pour commencer, eh bien évidemment, ils nous ont parlé de Warcraft 3, puisque j'ai fait une vidéo juste avant, hein, mes attentes et prédictions, c'est des choses qui étaient attendues. Warcraft 3 va bien avoir son patch 2.0, qui va venir apporter tout un tas de nouveautés, qui va réparer le jeu, qui va apporter aussi des changements au niveau des environnements, de l'éclairage, de l'interface utilisateur, voilà, des modèles qui seront modernisés en HD. Bref, voilà, on est vraiment sur la version qu'on attendait tous de Warcraft 3. Ça a mis longtemps, hein, ça a mis presque 5 ans, mais au moins elle est là. Donc si jamais vous avez envie de découvrir Warcraft 3, je pense que c'est le moment ou jamais. Mais ce n'est pas tout. Ils ont aussi officialisé Warcraft 2 Remaster ainsi que Warcraft 1 Remaster. Et ça, pareil, je vous le disais dans la vidéo, je vous disais, je ne comprends pas pourquoi le 2, pourquoi pas le 1, c'est quand même dommage. Eh ben finalement, c'est le 1 et le 2. Alors maintenant, ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce n'est pas forcément un remaster ou en tout cas un remake aussi incroyable que ce qu'on aurait pu espérer. Ce n'est clairement pas un remake, eh bien, mettons, à la hauteur de Warcraft 3 Reforged. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas un remake au niveau de Warcraft 3 Reforged, surtout maintenant qu'il est réparé. C'est un remaster. Ils ont pris les jeux des années 90 et ils les ont quand même remasterés. On voit qu'il y a quand même remasterisé, hein, je ne sais pas comment on peut dire. On voit qu'il y a quand même pas mal de travail qui a été effectué, mais ils ont quand même gardé ce feeling de l'époque. Vous allez le voir justement en image à l'écran. Ça rend quand même plutôt pas mal, hein, donc c'est bien. Voilà, ça il nous montre justement le jeu de l'époque où c'était quand même très très pixelisé, ce qui est normal hein, puisqu'il était sorti sur PC. Donc en 94, on faisait pas de miracle. Et d'ailleurs pour l'époque, il était très joli, il était très mignon. Hein. Il avait clairement ça pour lui. Maintenant, regardez, ça c'est le 2, d'accord? Ça c'est l'extension du 2. Et c'est remis au goût du jour. Là, regardez, c'est l'ancien graphisme. Et là, pouf, c'est les nouveaux graphismes. Donc, voyez un petit peu la différence. On constate quand même qu'il y a un travail qui a été effectué. On ne peut pas dire le contraire. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'est pas sur un remake total où ils vont refaire l'intégralité des textures. Ils ont voulu garder ce cachet de l'époque. Là, vous voyez, hop. Et là, voilà. Donc, c'est quand même beaucoup plus stylé. Mais on reste sur un truc un peu old school dans sa patte artistique. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Je vais avoir l'occasion de les tester hein, en live là très prochainement. Peut-être que je vous en ferai un retour sur la chaîne. C'est pas impossible pour vous dire un petit peu ce que je pense. Donc voilà. Normalement, je testerai tout ça et je vous ferai un petit retour des deux jeux. Alors, combien ça va coûter puisque c'est payant hein. Évidemment, ce n'est pas gratuit et c'est normal. Hein, ils vont pas faire tout ce travail pour rien. Donc là, ils nous montrent également la mise à jour 2.0 de Warcraft 3 Reforged. Vous voyez, mise à jour graphique. Environnement mise à jour. Là, vous verrez peut-être en image ce que ça va donner. Hein. Regardez l'herbe qui est déjà beaucoup plus travaillée. Alors après, à vous de voir. Hein. Je crois que vous ne serez pas obligé d'ajouter les nouveaux modèles. Mais bon, je trouve que c'est quand même beaucoup plus stylé, beaucoup plus riche. C'est à vous de voir. Voilà ce que ça donne en tout cas. Pour ce qui est de Warcraft 1, 2, 3. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que les 3 Warcraft seront à présent jouables sur PC. Voilà, c'est ce pack dont je vous parlais. Donc là, vous allez avoir un Battle Chest. Je vais aller chercher le prix immédiatement pour vous le communiquer, hein, puisque je crois qu'on est sur quelque chose de l'ordre de 39,99 pour le pack des 3. Sachant que j'ai déjà Warcraft 3 Reforged, moi, bah, du coup, les deux autres me coûtent 20€. Voilà, donc il y a la petite ristourne parce que j'en ai déjà un. Donc la monture qui est ici, c'est une monture pour WoW, donc chariot à viande de Warcraft 3. C'est quand vous achetiez Warcraft 3, vous aviez cette monture. Et je crois même que c'était le pack de luxe. Hein. Donc là, pour 39,99€, vous avez Warcraft 3 Reforged en version 2.0
le pack de luxe, donc cette monture aussi pour WoW, et vous avez Warcraft 1 Remaster, Warcraft 2 Remaster. Voilà, tout simplement, si vous avez envie de refaire ces bons vieux Warcraft, c'est le moment ou jamais. Passons à présent à Hearthstone. On va pas non plus en parler dans le détail puisque c'est un jeu auquel je ne joue pas. On va en toucher deux mots. Au début de l'année prochaine, Hearthstone repousse les limites de Warcraft dans Heroes of War, Starcraft, pardon. Ce mini-set spécial comportera 49 cartes inédites réparties en 3 factions thématiques. Découvrez à quoi ressemblerait l'univers de Starcraft dans l'auberge d'Hearthstone. Chaque faction est composée de cartes utilisables par plusieurs classes, dont une carte héros emblématique. Vous l'avez compris, il y a eh bien, tout simplement une espèce de collab entre Hearthstone et Starcraft. Starcraft qui entre dans Hearthstone avec des nouvelles cartes, etc. Qu'est-ce que ça va donner concrètement en jeu, j'en sais rien. Mais pour les gens d'Hearthstone, j'imagine que ça peut vous faire plaisir. Pourquoi pas à l'avenir une collab avec Diablo, on verra bien. Diablo, ça m'intéressera déjà plus pour le coup. Disponible en janvier 2025. Pour ce qui est d'Hearthstone, il va aussi y avoir des mises à jour au niveau de l'arène. Donc, je crois que justement, il y aura deux arènes maintenant. Une arène un peu plus casuale, qui se finira vite fait en 10 minutes. Et une arène dans les sous-sols pour les joueurs qui ont envie de pousser un peu le côté compétitif. Voilà, donc, ce post-là, je vous le mets dans la description. Si jamais vous voulez plus d'informations et que vous appréciez Hearthstone, vous pourrez voir tout ça en détail. Là, il nous annonce un petit peu une espèce de roadmap aussi de tout ce qui va arriver. On est déjà au patch 32.2, ça me fait halluciner. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Eh bien, évidemment, on en a parlé dans la vidéo précédente, Warcraft Rumble, qui arrive à présent sur PC. Voilà, voilà, Warcraft Rumble, on l'attendait, hein, on savait que ça allait arriver. On a, enfin, le launcher a été dataminé, on savait que ça allait arriver à un moment donné. Eh bien, ça y est, c'est le moment. Il arrive en bêta dès ce 10 décembre. Voilà, on le voit juste ici. Et enfin, ça va me permettre de pouvoir tester ce jeu. Parce que sur mobile, j'étais pas super chaud. Mais là, client Bennett, franchement, pourquoi pas? Je sais pas si je vais aimer ou pas, mais pourquoi pas tester? Donc voilà, vous avez l'information. Il y aura aussi les Split Leaders qui auront eh bien, maintenant deux factions. La première est Sylvanas qui va représenter la Horde et les Morts-Vivants. Ensuite, nous avons aussi Malfurion qui représentera l'Alliance et les Scénariens. Je ne sais pas ce que ça implique en termes de jeu, mais voilà, vous avez l'idée juste ici. Allez, passons à présent à World of Warcraft, puisque pas mal de petites choses ont été annoncées. Ils nous font un petit résumé de tout ce qui est déjà disponible, la série Netflix, le petit bonhomme, enfin la petite mascotte qu'on peut acheter pour soutenir. Et ici, nous avons des informations sur Classic, mais on ne va pas en parler maintenant, puisque ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc voilà, un Mist of Pandaria, etc. Un fresh start WoW Classic qui a été annoncé. Pas mal d'informations dont on parlera encore une fois dans la prochaine vidéo. Passons à présent à The War Within. Donc, ici, il nous faut un petit récapitulatif de quand est-ce qu'est sorti The War Within et ce que ça a apporté. Ensuite, directement, on parle de l'île aux sirènes. Il s'agit là, évidemment, du patch 11.0.7. Et là, encore une fois, petit mea culpa de ma part. Comme vous le savez, Blizzard, sur en tout cas The War Within, ils ont décidé de sortir du contenu tous les 2 mois. C'est Chris Metzen lui-même qui l'a dit. Leur target, hein, leur objectif, c'est de sortir du contenu toutes les 8 semaines environ. D'accord? À 1 ou 2 semaines près. Mais, pour l'instant, on peut dire que c'est respecté, puisque l'extension est sortie le 23 août. Si on prend 2 mois, justement, c'est là où moi, déjà, je me pose des questions. Je me dis, c'est sorti le 23 août. 23 septembre, 23 octobre, qu'est-ce qu'on a eu 23 octobre? On a eu le patch 11.0.5, le patch anniversaire. Jusque-là, tout va bien. Après, c'est 23 novembre, 23 décembre. Et là, bah, ça tombe sur Noël. Donc automatiquement, on savait qu'ils n'allaient pas sortir un patch pendant Noël. Donc, ils avaient le choix. Soit c'était la semaine d'avant, soit c'était 2 semaines après, donc après les fêtes. Connaissant Blizzard, moi je me suis dit, jamais de la vie, ils vont le sortir la semaine d'avant. Ils vont essayer de tirer un petit peu plus, et ils vont sortir ça début janvier. J'en étais persuadé. Ensuite, il y a des choses qui ont été dataminées dans le patch 11.0.7, notamment concernant eh bien, la fête de Noël. Et là, je me suis dit, tiens, là, c'est bizarre.
C'est bizarre parce que s'il y a des trucs concernant la fête de Noël, ça ne peut pas être en janvier. Parce qu'ils vont pas mettre des trucs de Noël pour le Noël 2025. Ça n'a aucun sens. Bon, à partir de là, j'ai commencé à me dire bizarre. Mais si jamais ils nous sortent ça au mois de décembre, je serais assez surpris. Et qu'est-ce qui s'est passé hier ? Eh bien, ils ont annoncé que ce patch 11.0.7, l'île aux sirènes, sortirait officiellement le 18 décembre. Donc, on est bien une semaine avant Noël. Et moi, je pensais qu'ils allaient la sortir 2 semaines après Noël. Donc bon, pour le coup, c'est quand même, je trouve, une bonne chose. Voilà. Parce que tirer, au bout d'un moment, on se fait chier. Donc, tant mieux. En tout cas, ça arrive avant les fêtes. Ça arrive du coup le mois prochain. Donc, ça fait plaisir. Alors évidemment, hein, si vous voulez plus de détails sur ce patch 11.0.7, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps pour résumer dans les grandes lignes. Mais on aura un peu plus d'informations très prochainement, puisque ça arrive très vite. Et là, justement, regardez. Ils disent aussi que pour ce patch 11.0.7, assorti d'un petit cadeau pour tous les joueurs. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas à quoi ils font référence. Peut-être une petite monture. Bref, on ne sait pas. Mais voilà, vous avez la date. Ça sort le 18 décembre. Il va aussi y avoir Plunderstorm hein, qui va revenir, le fameux Battle Royale. Mais encore une fois, on en parle dans la vidéo sur le patch 11.0.7. Là, ils nous ont sorti une petite nouvelle, en fait, en même en plusieurs épisodes, hein, d'ailleurs. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour ceux qui aiment bien le lore, regardez-moi ça. 5 chapitres. 5 chapitres, vous pouvez consulter soit en PDF si vous préférez lire, soit en vidéo. Malheureusement, en vidéo, c'est doublé. En tout cas, c'est narré par Chris Metzen. Donc, c'est assez stylé en plus. Mais le problème, c'est que c'est en anglais. Donc, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, n'hésitez pas. Après, je crois que sur YouTube, vous avez possibilité de demander la traduction française pour avoir justement les textes. Donc voilà, si vous appréciez le lore, vous avez plusieurs épisodes à vous mettre eh bien, sous le coude. Voilà. Parlons à présent du patch 11.1 qui a été annoncé officiellement. Et regardons un petit peu ce que ça donne, si ça peut nous intéresser ou pas. C'est parti. Alors, comme vous le constatez, Undermine. Voilà, nous y sommes. Hein. On a eu l'occasion d'en parler déjà il y a quelques temps. C'était une direction dans laquelle il semblait partir, mais on était sûr de rien. Hein. Et ben voilà, c'est officiel. Ça va se passer du côté d'Undermine. Il va y avoir beaucoup de gobelins. Je ne sais pas si vous appréciez les gobelins. Perso, je ne suis pas super fan. Donc, l'environnement gobelin, bon, j'espère que ça va être cool parce que c'est pas celui que je préfère. Hein. Dans notre prochaine mise à jour de contenu majeur, la piste de Xalatath mène à un endroit connu depuis longtemps, mais resté inexploré, Termine. Ah, c'est marrant ça, le nom, il y a le nom français, ce sera donc Termine. Les joueurs se rendront à Termine, la capitale des gobelins. Cette ville ne ressemble à aucune autre dans WoW et témoigne de la créativité et de l'intelligence de ce peuple, devenu expert en technologie et en alchimie. Cette aventure nous permet d'en apprendre davantage sur la culture et la société gobeline de manière inédite. Nous découvrirons leurs centres d'intérêt, leurs problèmes, les aspects qui les rendent uniques et ce dont leur peuple est capable. C'est l'occasion d'aller beaucoup plus loin que leur humour douteux et les célèbres explosions des fameux gobelins. À votre arrivée dans Termine, un conflit divise les 4 cartels principaux. Les gens de pression, les flots noirs, les Baïfons et la capitale risque. Chaque cartel est dirigé par des figures notoires telles que Gazleux, Renzik, Baron Révilgaz, Marin Brouille Caboche et bien d'autres. Vous êtes libre de choisir votre camp. Voilà donc, dès que ça va arriver, dès qu'on va arriver justement dans ces fameuses termines, hein, eh bien il faudra choisir notre camp. Je ne sais pas comment ça va se manifester exactement, je ne sais pas ce que ça va impliquer, mais j'imagine que ce sera peut-être des renoms différents, je ne sais pas. Assurez-vous de posséder une monture adéquate, on va en reparler de celle-ci, hein, pour vous déplacer en ville. Vous pourrez obtenir un véhicule personnalisable au début de votre aventure, conçu spécialement pour Termine. Donc ce véhicule ne fonctionnera que dans cette zone. Repoussez les limites de la mobilité et parcourez les rues de Termine plus rapidement qu'avec une monture terrestre. On va entrer dans le détail parce que ça a l'air d'être un truc pour le coup très très fun. Vous pourrez ajuster les caractéristiques de la conduite de votre véhicule, ajouter un peu d'adhérence pour mieux adhérer à la chaussée, ou ajuster vos dérapages afin de faciliter les virages. Vous voulez améliorer votre accélération? Dans tous les cas,
vous devrez peut-être sacrifier un peu de vitesse. Vous êtes libre de personnaliser les caractéristiques de votre véhicule. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau dans WoW. C'est-à-dire que, comme vous le savez, aujourd'hui, eh bien, Blizzard est beaucoup plus dans ce truc de... je sais pas comment vous expliquer, mais ils sont beaucoup plus dans ce truc de utiliser des montures personnalisables. On l'a bien vu, hein, Dragonflight, on avait des dragons qu'on pouvait personnaliser. Là, The War Within, c'est une espèce de planeur, hein, de dirigeable qu'on peut personnaliser. Eh bien, ils vont continuer dans cette direction, cette fois-ci avec une voiture, donc pour la nouvelle zone Undermine. Alors moi, ce qui me fait plaisir, c'est que quand j'avais commencé justement à faire les quêtes eh bien, des gobelins, quand on avait l'espèce de voiture à 4 places, je me disais, mais c'est une dinguerie, cette voiture, elle est incroyable. Pitié, sortez-nous une monture comme ça. Eh bien, ça y est, c'est parti. À partir du patch 11.1, on aura le fameux drive. Et voilà, vous le débloquerez petit à petit en jouant au jeu. Et là, bah, regardez, comme vous le constatez à l'écran, hein, c'est votre propre bolide que vous pourrez customiser. J'imagine qu'on pourra customiser le design, mais ça ira beaucoup plus loin puisqu'on pourra carrément customiser l'intérieur de la bagnole. On pourra choisir si on veut qu'elle adhère bien pour pouvoir, je sais pas moi, tenir la route. Est-ce qu'on va pouvoir drifter dans les virages? Est-ce qu'on veut une meilleure accélération? Est-ce qu'on veut une meilleure vitesse de pointe? C'est une monture qui ira beaucoup plus vite que les montures traditionnelles. C'est-à-dire qu'elle ne sera pas capée à 100%. Donc voilà comment ça va se passer. Il y aura plusieurs types de voitures, hein. Il y aura aussi ces espèces de comment on appelle ça? Des espèces de tricycles là. Des motos à trois roues. Donc voilà, le petit garage. Franchement, ils se sont tapés des barres. Mais ça, vous voyez, c'est typiquement le genre de truc. Encore une fois, ça dépend comment ça va être fait. Est-ce que c'est bien fait ou pas? Si c'est bien fait, moi, je suis carrément client. Parce que c'est ce fameux fun dont, que je réclame souvent sur WoW. Des activités fun dans lesquelles on s'investit. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est comment on va customiser nos véhicules. Jusqu'à quel point? Est-ce qu'on va pouvoir changer la peinture? Est-ce qu'on va pouvoir changer là, les moteurs et tout? Est-ce qu'on va changer que les stats un peu à la Mario Kart? Qu'est-ce qui va se passer avec cette monture? Est-ce qu'on va faire des quêtes? Est-ce qu'on va faire des courses contre l'ordinateur? Contre d'autres joueurs? Voilà, c'est toutes les questions qu'on peut se poser, on sait rien. Donc pour l'instant, je peux pas vous dire ça va être incroyable ou ça va être nul. Je dis juste que ça a l'air d'être fun, et rien que ça, déjà, ça fait plaisir. Maintenant, on testera et on verra ce que ça va donner. Alors après, voilà, moi, ça va me faire penser à Speed Freaks, hein, pour ceux qui connaissent Warhammer 40 000 notamment, avec les orques. Ça peut nous faire penser aussi à un ancien jeu de Blizzard qui s'appelle Rock'n'Roll Racing. On avait comme ça là, des courses de voitures endiablées. Mais voilà, ça vous permet aussi d'avoir un petit visuel sur la zone termine. Hein, donc on est vraiment sur du gobelin-gobelin. Moi, je vous dis la vérité, les gobelins, voilà, c'est vraiment pas ce que je préfère. Mais, et en plus, la zone, elle est sous terre. Mais si elle est vraiment dégagée, si on est dans une espèce de grande ville comme ça, franchement, ça peut être stylé. Voilà, le temps d'un patch, d'un gros patch, ça peut être stylé. Et tout va dépendre des activités qu'on va y faire. Hein. Est-ce qu'on va rester sur le classique renom, rare, etc. Ou est-ce que ça va aller plus loin que ça? C'est tout ce que je demande, c'est tout ce que j'attends. Mais en tout cas, ouais, ces montures, ça peut être rigolo, hein, ces voitures. Là, vous voyez, il y a les feux. Hein. Il y a feu vert, feu rouge et tout. Apparemment, il va y avoir de grandes routes qui vont être pensées justement pour cette espèce de mécanique. Donc voilà, moi j'ai assez hâte de voir ce que ça va donner, mais ça nous permet d'avoir un premier aperçu. Il va y avoir aussi autre chose, évidemment. Un nouveau donjon, Opération Vanne Ouverte. Le nouveau donjon, Opération Vanne Ouverte, s'appuie sur l'histoire de Termine. Vous devrez empêcher un groupe de gobelins de faire sauter un barrage, ce qui aura des effets dévastateurs sur les abîmes retentissants. D'accord, donc, si je comprends bien, la zone des gobelins sera connectée. Alors, j'imagine qu'elle sera connectée aux abîmes retentissants, je vois pas trop où. Est-ce que ce sera dans un côté? Est-ce que ce sera encore sous terre? Je sais pas. Mais bref, en tout cas, elle semble connectée aux abîmes retentissants. Ce nouveau donjon sera disponible immédiatement au sein de la nouvelle rotation de donjons de la saison 2 de The War Within, en mode héroïque, mythique, mythique plus, avec les 4 autres donjons disponibles au lancement, ainsi que 3 donjons historiques, hein, voilà, comme d'hab. Et oh putain, j'ai vu le filon, merde. Donc oui, la rotation, on va prendre les 4 autres donjons de l'extension, plus des donjons historiques. Nous vous donnerons plus d'informations sur l'ensemble des donjons prochainement, mais il serait dommage de ne pas inclure le filon, le fameux filon de BFA.
J'imagine que grand nombre d'entre vous seront très contents de cette nouvelle. Ou pas. Dans le cadre de cette nouvelle mise à jour de contenu, les joueurs découvriront également deux nouveaux gouffres, ainsi que les variantes des gouffres existants. Oula, attends, qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que là, deux nouveaux gouffres dans la nouvelle zone, ok, là il y a du sens. Pareil, on en parlait en live et je me disais, qu'est-ce qui va se passer avec les gouffres? Est-ce qu'on va rester sur la dizaine de gouffres qu'on a actuellement pour les prochaines saisons? Parce que comme vous le savez, les gouffres sont sujets justement à ces fameuses saisons. On n'aura plus Bran avec nous, on aura un autre camarade, donc peut-être un gobelin. Et du coup, faudra refaire eh bien, des gouffres. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a deux nouveaux gouffres qui vont arriver avec la nouvelle zone. Donc ça déjà, c'est plutôt cool. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent de plus là? Des variantes des gouffres existants. On verra bien. Est-ce qu'ils vont ajouter juste quelques petites quêtes dans les gouffres existants? On va voir. Des mises à jour saisonnières ont été apportées à Bran, un nouvel adversaire à suivre, Zekvir, ainsi qu'une nouvelle série de bibelots, donc de trinkets, j'imagine, inspirés du peuple gobelin. Je vois pas ce qu'ils veulent dire là. Hein. Des mises à jour saisonnières ont été apportées à Bran, mais Bran, normalement, c'était que la saison 1, donc on devrait plus l'avoir. Un nouvel adversaire à suivre, Zekvir. Bon, on verra bien, mais en tout cas, voilà, ça va bouger un petit peu du côté des gouffres. Un nouveau raid, Libération de Termine. Découvrez un nouveau donjon de raid à 8 boss, vous conduisant à travers les rues de la ville dans la magnifique Galagio. Débordant de couleurs et d'extravagance, ce lieu abrite les sombres secrets de son propriétaire Gallywix. Évidemment, Gallywix qui s'était barré au moment de Sylvanas, hein, si je me souviens bien. Il s'était barré, on n'avait plus de nouvelles de lui. Eh bien, peut-être qu'il... Alors, est-ce que le donjon est juste à lui, le raid? En tout cas, la zone, hein, ou est-ce qu'il sera là? J'imagine qu'il sera là. Entre politique et trahison, il n'y a qu'un pas chez les gobelins, sur lesquels Xalatat semble avoir laissé son empreinte malfaisante. Donc, Libération de Termine, on peut voir un petit peu à quoi ça va ressembler. Hein, voilà, si vous voulez, hein, un petit aperçu de tout ça. Hop, est-ce que je peux zoomer? Je ne sais pas. J'essaye, hein, j'essaye de faire un petit peu... Voilà, là, ça me semble bien comme ça. Très bien. Donc, bon. À vous de me dire ce que vous en pensez. Ça peut être cool, hein. Une espèce de grande ville comme ça, Goblin. Voilà, avec la statue, les lumières et tout derrière. Ça peut être sympa, hein, mais bon. Moi, quand je pense à Goblin, je vois plus un peu des ordures, de la casse, etc., quoi. Mais à tout moment, peut-être, ça va être le show, quoi. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce boss, il est incroyable. Non, voilà. Voilà, faut voir. Si c'est bien fait, ben ce sera cool de toute manière, toujours pareil. Hein. Gobelin ou pas, si c'est bien fait, ce sera cool. Alors, pour terminer, parce que voilà, on a les grandes lignes, hein, évidemment. Ils ne sont absolument pas entrés dans le détail. Hein. Je crois qu'on a tout fait, hein. Oui, on a tout fait. Donc, ils ne sont pas entrés dans le détail de ce patch 11.1 même. On a juste les grandes lignes. Mais là... Avant de se quitter, on va pouvoir regarder ensemble eh bien justement la roadmap de ce qui nous attend en 2025. Même si c'est juste les grandes lignes, eh bien, ça nous permet eh bien, tout simplement voilà, d'avoir un aperçu là-dessus. Alors, je me demande si je ne peux pas plutôt vous le mettre en FR. Je pense que si, ce sera mieux comme ça. Voilà. Donc, on va commencer par le début. Île aux sirènes, patch 11.0.7, qui arrive, je vous l'ai déjà dit, le 18 décembre. Nous allons avoir la nouvelle zone, avec tout ce que ça implique, toutes les activités, l'anneau à améliorer, etc., etc. Nous allons avoir l'histoire qui va continuer du côté, justement, de Dalaran, etc. Nous allons avoir, eh bien, les voies temporelles turbulentes. C'était déjà venu, ça, à l'époque. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. C'était déjà venu, ce truc-là. Et, en fait, les voies temporelles turbulentes, il faudra faire, je crois, les time walking pendant plusieurs semaines d'affilée. Ça débloquera du très bon stuff. Et en plus de ça, une monture, si vous les faites toutes. Donc j'imagine que ça va rester comme ça. C'était cool. En vrai, c'était cool. Voilà. Voile d'hiver, nouveau contenu. C'est ce truc qui nous laissait penser qu'effectivement, le patch allait sortir avant Noël. Et puis, mise à jour saisonnière. Donc ça, c'est le 18 décembre. Nous avons Plunderstorm, qui lui ne semble pas arriver en 18 décembre, mais plutôt janvier, voire février. Je dirais janvier, ouais, courant janvier. On n'a pas la date encore exacte, hein, mais je dirais courant janvier. Ensuite, Undermine, hein, ce dont on vient de parler, le patch majeur, qui, comme vous le constatez, arrivera donc avant
le printemps. Il embarquera la saison 2, évidemment. La nouvelle zone termine avec un nouveau donjon et un nouveau raid. C'est cool hein, qu'il y ait un nouveau donjon en vrai, parce que c'est pas toujours en fait qu'il y a des nouveaux donjons. Hein. Nous, on s'est habitué à ne pas avoir de nouveaux donjons systématiquement. C'est bien qu'il y en ait un, et vous verrez un peu plus loin qu'il va encore y en avoir un autre. Donc le fameux drive, hein, la monture à customiser, de nouveaux gouffres, renom auprès du cartel, donc voilà. Les fameux cartels, il faudra faire un choix et puis augmenter probablement le renom avec un des 4 ou peut-être les 4, je ne sais pas. Mise à jour de l'UI des bataillons, voilà. Donc là, ils continuent à retravailler leur UI. C'est ce qu'ils avaient fait pendant tout Dragonflight. Au début de Dragonflight, ils avaient retravaillé l'interface. Et à chaque patch, on avait des petites améliorations. Et bien là, ils vont faire pareil, ils vont continuer. Sauf que cette fois-ci, ce sera collection du camp des bataillons. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ok, pourquoi pas. Et ça, on peut l'attendre pour quand ce patch? Si on part sur la règle des 3 mois, des 2 mois. Donc c'était le 23 août. 22-23 octobre. 22-23 décembre, donc quelques jours avant parce que Noël. Janvier-février, 22-23 février. On devrait être autour de fin février. On devrait être autour du 22-23 février. Alors ça peut être la semaine d'avant, la semaine d'après, mais... vous avez à peu près l'idée. Bon bah finalement je suis content, c'est quand même mieux rythmé que ce que je craignais. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, au printemps, on aura le patch 11.1.5 avec nouveau contenu crépuscule. C'est pas ce que ça veut dire. Nightfall en anglais, tombée de la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que Vision Horrifique Revisité, comme vous le voyez un petit peu plus bas, eh bien ça, c'était un truc qu'on avait eu à la fin de BFA où on avait... une version horrifique d'Orgrimmar et une version horrifique de Stormwind. C'était sympa. Franchement, c'était sympa. Je crois que ça se faisait de 1 à 5 joueurs. Donc, est-ce que c'est exactement ça qui va revenir, mais en mode remis au goût du jour? Est-ce que c'est d'autres visions horrifiques, c'est-à-dire plus Orgri et Stormwind, mais deux autres capitales? On n'en sait pas plus pour l'instant. Mais moi, c'est le côté revisité qui me laisse à penser que c'est Stormwind et Orgri qui reviennent, mais retravaillés. Et mise à jour de la semaine des enfants, hein, vous allez voir qu'ils vont retravailler tous les petits events comme ça au fur et à mesure. 11.1.7 qui arrivera encore un peu plus tard. Parce que là, si ça c'est le 22 février, mars-avril, donc la 11.1.5 ce serait autour du 20 avril. Et ça, la 11.1.7 autour de juin et puis la 11.2 autour de août. Je sais pas si on peut penser comme ça. Est-ce que c'est vraiment tous les deux mois? Est-ce que c'est le cas aussi pour les patchs mineurs? On ne sait pas. Ça ne sert à rien de se projeter aussi loin. En tout cas, la 11.1.7, l'histoire et quête qui continue, nouvelle mise à jour de contenu et système et voie temporelle turbulente. On ne l'avait pas déjà vu, ça? Si, à la 11.0.7. Donc, ça revient à la 11.1.7. D'accord. D'accord, d'accord. Bon, pas beaucoup d'informations sur cette 11.1.7. Hein. Difficile de savoir ce qui nous attend. 11.2 qui arrive courant de l'été, donc c'est l'autre patch majeur, puisqu'il y a la sortie de l'extension qui est considérée comme un patch majeur et une saison qui va avec. Puis après, le premier patch majeur, c'est la saison 2. Deuxième patch majeur, c'est la saison 3. Et j'imagine qu'il n'y aura pas plus de patch majeur. J'imagine. Ça a l'air d'être la nouvelle manière de fonctionner, en tout cas de Blizzard. Donc, sur le patch majeur de cet été, nouveaux événements mondiaux. Encore un nouveau donjon, ça fera deux nouveaux donjons dans l'extension. Ça, c'est plutôt cool. Un nouveau raid. Après, peut-être ce sera un méga donjon et tout, on sait pas. Il y aura un nouveau raid. Nouveau défi en extérieur, c'est intéressant, mais on n'a pas plus d'informations. Mais les défis en extérieur, c'est toujours un truc qui me fait plaisir. Mise à jour des bataillons, on verra. Mise à jour de la fête des brasseurs, hein, on continue à retravailler les events. Actualisation des récompenses saisonnières. D'accord, d'accord. Ça reste un petit peu flou, on sait pas trop. Annonce de l'extension WoW Midnight qui aura lieu fin de l'été. Donc, probablement courant août. Pourquoi pas, on peut imaginer vers le 23 août lors d'une Gamescom. Ça, c'est pas impossible. World of Warcraft Légion, il l'avait annoncé, me semble-t-il, été 2015. C'était lors de la Gamescom. On avait découvert Illidan et tout à la Gamescom. Donc, c'est pas impossible hein, qu'à la Gamescom, on ait l'annonce justement de WoW Midnight. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de BlizzCon? Parce que s'il y a une BlizzCon, la nouvelle extension, tu la présentes au mois de... enfin, en novembre, en tout cas, pendant la BlizzCon. Mais peut-être qu'ils veulent l'annoncer tôt, parce que, justement, l'extension va sortir plus tôt que prévu.
Et au lieu de durer 2 ans comme avant, là, on semble partir sur les extensions à 1 an et demi que Blizzard nous a promis déjà depuis un moment. Ça a l'air d'être le cas. Parce que là, vous voyez, à l'automne, il va y avoir 2 patchs mineurs, nouvelle mise à jour de contenu et système, 21e anniversaire. Ensuite, histoire et quête, nouvelle mise à jour de contenu et de système. Et là où j'attire votre attention, c'est ce petit fanion avec ce petit signe, ce petit symbole et surtout, pourquoi la barre, elle vire au vert. Je vous laisse 2 secondes, le temps pour moi de boire un petit peu d'eau. Qu'est-ce que vous en pensez ? Légion, mesdames et messieurs, oui, il se pourrait que je vous ai fait la vidéo housing pas plus tard qu'hier, où je vous disais que je ne comprenais pas trop ce que c'était. Je me posais la question, est-ce que c'est une pierre de foyer ? Est-ce que c'est une espèce de... Parce que ça a la forme de la pierre de foyer, vous voyez ? Cette espèce de tourbillon, dans toutes les pierres de foyer, il y a toujours eu un tourbillon. Là, il est un peu plus triangulaire. Je me disais, est-ce que c'est la pierre de foyer pour le tourbillon ? Donc ça veut dire qu'on serait à la toute fin de l'extension et justement lors du pré-patch avant WoW Midnight, eh bien pourquoi pas nous sortir l'housing à l'avance, mais je trouverais ça vraiment bizarre. Pour moi, je pense que l'housing va sortir en même temps que l'extension et on aura des quêtes d'introduction au début comme le fief à l'époque de WoW. Donc finalement, en me renseignant un petit peu, en essayant de réfléchir à tout ça, il se pourrait qu'effectivement ce soit Remix qui soit de retour. Puisque nos amis de WoWhead, si je peux retrouver ça, pouf, voilà, juste ici, nos amis de WoWhead, eh bien, ils ont discuté un petit peu de tout ça. Ça arrive sur vos écrans, ne vous inquiétez pas. Voilà, boum, roadmap, ça part. Et là, nous avons, eh bien, regardez, à l'écran, vous voyez un petit peu ou pas là le fameux tourbillon dont je vous parlais, eh bien, il est là. Le tourbillon dont je vous parlais, là nous avons tout un tas de pierres de foyer. Et bien voilà, ça ressemblerait. Mais ça va plus loin que ça. Hein. Il y a des gens, ils ont poussé encore plus loin que ça. Regardez-moi ça. Ça m'a bien fait rire ça. Peut-être que ce serait la forme du continent de Légion MDR. Bon, je trouve que ça va peut-être un petit peu loin comme ça. Mais tout en bas du fanion, hein, on peut voir qu'il y a une espèce de petite zone. Mais je ne sais pas parce qu'il y a d'autres gens qui ont sorti justement la cinématique de Warlords of Draenor en disant regardez, ça ressemble beaucoup plus hein. Vous voyez un peu ou pas? Vous voyez le fanion, je vous l'ai laissé à droite là. Vous avez le fanion juste à droite et là vous avez vous voyez un petit peu, ça va dans tous les sens là hein. Ça va vraiment dans tous les sens. Moi je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête. Je pense vraiment que pour le coup, ça va être plutôt Légion. Parce que, encore une fois, le Green Timeline. Voilà. Je veux dire, pour moi, je pense qu'il y a moyen que ce soit Légion. Mais de toute façon, peu importe. Soit ce sera l'housing qui arrivera plus tôt. Pour moi, il y a très peu de chances que ce soit ça. Soit ce sera le Time Walking, le remix Légion par rapport au vert. Soit celui de WoW. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que ce soit un remix. Donc, ce qui voudrait dire, tout simplement, que si c'est un remix, voilà, hein, on aurait un petit peu de temps à tuer sur la fin de l'extension avant remix. Et pourquoi pas une extension qui sortirait, du coup, l'année d'après, en 2026, mais pas en fin d'année, pas en août et plus, mais plutôt début d'année, plutôt, mars, avril. Bref, on va trop loin, on aura plus d'informations plus tard. En tout cas, voilà, c'était le petit récapitulatif de tout ça. Je le répète, hein, tout ce qui concerne classique, ce sera dans une autre vidéo. L'housing, je vous ai déjà fait une vidéo, hein, évidemment, pour vous en parler. Si vous ne l'avez pas vue, elle est sur la chaîne, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, hein, est-ce que ça vous excite un petit peu ? Est-ce que vous avez hâte pour la suite de WoW ou pas ? N'hésitez pas le moindre instant à nous dire ce que ça donne. Mais là, voilà, la roadmap, elle est plutôt chargée en tout cas. Voilà les petits potes, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se dit à très vite pour la suite des news, des bisous. Bye bye.